frère. Alléluia. La Bible me dit que tu seras en haut et non en bas. Tu seras la tête et non la queue. Si nous acceptons la parole de Dieu, si nous obéissons à la parole de Dieu, certainement que nous serons bénis. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Tu dois prier pour toi. Parce que les bénédictions dépendent de toi. Amen. Amen. Les bénédictions dépendent de toi. Si tu veux, tu seras béni. Et si tu ne veux pas, prie pour Pasteur Balingene. Je serai béni moi. Parce que j'en ai tellement besoin de bénédiction. J'ai besoin que l'Éternel me bénisse. Qu'il me fasse une autre chose. Hein. Une nouvelle personne. Pas une personne d'habitude. Alléluia. Amen. Tu vas prier comme ça. Éternel Dieu. Fais-moi une autre personne. Les gens me connaissent seulement comme un simple étudiant. Les gens me connaissent comme quelqu'un qui travaille juste un travail de 10 dollars ou avec un salaire minimum. Les gens me connaissent comme quelqu'un qui vient juste à l'église s'asseoir et ne rien faire. Les gens me connaissent comme quelqu'un qui chante mal, qui chante de bien ou qui chante comme ça. Dis à l'Éternel que je veux que tu me bénisses par une autre chose. Une chose différente de celle-là. Alléluia. C'est la prière que tu vas faire ce matin. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, nous te bénissons. Tu es bon, tu es merveilleux ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour nous avoir bénis. Merci Seigneur parce que tu as un plan merveilleux pour nous. Comme ta parole nous le dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Tu nous dis que tu as un plan merveilleux pour nous. Et ce n'est pas un plan pour nous abolir. Ce n'est pas un plan pour nous détruire. Ce n'est pas un plat, Seigneur, pour nous maudire. Mais c'est un plat pour nous bénir. C'est un plat, Seigneur, pour nous mettre dans la jouissance. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette parole. Je veux que tu me fasses une nouvelle personne. Je veux que tu me bénisses, Seigneur. Comme nous arrivons au bout de l'année, Père éternel, ce que je n'ai pas vu au courant de l'année, je voudrais les voir, Seigneur, dans deux semaines. Ce que le Seigneur, j'enviais voir. Ce que, Seigneur, je voulais toucher au courant de l'année. Peut-être que, Seigneur, j'ai manqué à ta parole. Seigneur, je voudrais que tu me sanctifies et que tu m'acceptes encore une fois. Ce matin, je reviens pour toi. Ce matin, Seigneur, je viens afin que tu me bénisses. Père éternel, je prie pour ton peuple maintenant. Gloire à toi Seigneur, ils ont accepté ta parole. Je prie Seigneur pour que tu puisses le bénir. Tout le monde qui a reçu cette parole, que ça puisse se graver dans son cœur et que ça reproduise des fruits Seigneur. Merci Seigneur parce que toi tu as dit dans Jean chapitre 15, tu dis que toi tu es la vigne. Et Seigneur, toi tu es le vigneron. Et si quelqu'un est bien attaché pour toi, il va produire des fruits. Seigneur, nous voulons nous attacher à toi afin que nous produisons des fruits. Ô Père éternel, accepte tes enfants ce matin. Je prie pour toute l'assemblée ce matin afin que tu bénisses, Seigneur. Bénis, Seigneur, leur départ. Bénis aussi leur retour. Bénis, Seigneur, leur arrivée. Bénis, Seigneur, leur travail. Bénis, Seigneur, leur riche. Bénis tout ce qu'ils font, Seigneur. Bénis, Seigneur, les produits de leurs entrailles. Bénis tout ce qu'ils peuvent faire, Seigneur. Bénis leurs études, Seigneur. Qu'ils ne soient pas en bas, Seigneur, mais qu'ils soient en haut, Seigneur. Je te prie ce matin, bénis ton peuple, Seigneur. Comme ils ont accepté ta parole, je te demande, au Père éternel, que ta grâce descende à ce lieu et tout celui qui a reçu cette parole, qu'il trouve, Seigneur, la différence. Qu'il soit béni, Seigneur. Père éternel, que ta miséricorde se manifeste ce matin. Je recommande la bénédiction pour ton peuple. Je recommande la bénédiction pour ton peuple. Oh, que ta bénédiction soit manifeste maintenant. Oh, il y a des gens qui ont échoué tout au long de l'année. Mais ce matin, je prie pour eux, Seigneur. Il y a des gens qui ont été découragés tout au long de l'année. Il y a des gens qui ont même échoué leurs études. Mais Seigneur,
Quand nous sommes dans les épreuves, nous voulons voir maintenant, Seigneur, ta victoire. Ce matin, Seigneur, je recommande ta bénédiction. Je recommande ta bénédiction. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis leurs enfants. Bénis leurs familles. Bénis tout ce qu'ils font. Qu'ils soient lumière. Qu'ils soient lumière. Qu'ils soient élevés, Seigneur. Oh, qu'ils soient propriétaires. Qu'ils soient propriétaires, Seigneur. Qu'ils soient propriétaires, Seigneur. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Il y a des gens qui ont besoin de maison. Il y a besoin des gens qui ont besoin de travail. Il y en a qui ont besoin de mari. Il y en a qui ont besoin de mariage. Ce matin, je recommande la bénédiction de Dieu. Que ça touche les gens. Que ça transforme. Que ça touche les gens. Et que ça transforme. Que ça se manifeste. Et que les gens puissent s'étonner. La parole me le dit. Que les gens vont s'étonner. La parole me le confirme. Que les gens auront peur de ça. Ils vont être repérés. Quand ils vont voir la bénédiction. Père éternel. Seigneur. Je voudrais qu'il soit béni. Je voudrais qu'il soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je le prie au nom de Jésus-Christ. Et que chacun dise Amen. Que chacun dise Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Je te bénis.